Chris, can I get the squirrels? Madame Chair and Madame Président, merci. Nous avons un peu de temps pour nous maintenir les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons un peu de temps pour nous maintenir. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs autochtones du monde entier, je suis particulièrement heureux et honoré de prendre la parole aujourd'hui à cette importante assemblée. Je suis Constant Awashish, grand chef de la nation du Kamek, et je parle au nom de mon peuple. Le chef de la communauté de Manawan, Jean-Roch Ottawa, est à ma gauche ici. Il y a un aîné ancien chef de Manawan, Jean-Pierre Mort, m'accompagne aussi aujourd'hui à ma droite. La première nation que nous représentons a récemment adopté une déclaration d'affirmation de souveraineté qui vise notamment à retrouver une part perdue de la maîtrise et de l'accès aux ressources naturelles du Nidaskinam, notre terre ancestrale. Nous manifestons maintenant, comme plusieurs d'entre vous, la volonté d'assurer la maîtrise de notre propre développement, conformément au droit international fondamental de tous les peuples, de disposer librement d'eux-mêmes. Consacrés depuis 60 ans par le droit international, nous refusons dorénavant que l'exploitation de notre territoire et son développement puissent avoir lieu sans notre pleine participation, sans une entière reconnaissance de nos droits, sans une protection réelle de notre environnement naturel et sans compensation pour les atteintes à nos droits. Notre démarche constitue un processus d'affirmation de notre dignité, notre identité de nos droits et de nos droits, ce qui, nous en sommes persuadés, nous sortira de la résignation et la marginalisation dans lesquelles les États canadiens et québécois nous ont confinés pendant beaucoup trop longtemps. Notre démarche d'affirmation n'est donc pas une question politique ou de gouvernance, c'est un élément fondamental dans notre développement socio-économique. Car bien que nous vivions au Canada, un pays réputé pour sa richesse et l'égalité sociale, les conditions de vie dans lesquelles nous vivons sont difficiles et indignes. On n'a qu'à penser à l'épisode des pensionnats. Cette sombre période de l'histoire canadienne avait pour but de tuer notre culture et ultimement nous faire disparaître. Ces plaies sont toujours d'ailleurs vivantes aujourd'hui. Lors de la visite au Canada à l'automne 2013, le rapporteur spécial des Nations Unies, James Enaya, a été de même à constater l'important écart socio-économique qui existe entre les Autochtones et les non-Autochtones. Dans son rapport adressé au Conseil des droits de la personne, il fait le constat d'innombrables problématiques et plus particulièrement, il a mis en lumière la situation des femmes et des filles autochtones qui, encore aujourd'hui, demeurent vulnérables aux abus et à la violence. C'est également le cas pour le taux d'incarcération. Les Autochtones, dans une large mesure, sont représentés dans les prisons québécoises et canadiennes. Ce seul exemple démontre bien l'ampleur de la situation et comment le gouvernement canadien persiste à détourner la tête et à ignorer les appels à l'aide répétés. Il ne fait aucun doute pour nous que l'autonomie gouvernementale, notamment en matière de prestation de services de santé, est un facteur pouvant contribuer à l'amélioration de la situation. Nous recommandons donc que les modèles de soins de santé prennent en compte les concepts autochtones de la santé. Cela inclut la mise en place de mécanismes clairs de coopération entre le personnel de santé compétent, les communautés, les guérisseurs traditionnels, les décideurs et les gouvernements, afin de s'assurer que les ressources humaines répondent au profil épidémiologique et au contexte socio-culturel des communautés autochtones. Megwetch, thank you. Merci.